Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Ce stade est magnifique. Et ça tombe bien car le coup d'envoi de la rencontre va être donné dans quelques instants. Le temps pour chacun des joueurs de finir de se préparer, pour les entraîneurs d'aller s'asseoir sur leur banc et pour nous de vous communiquer les compositions des deux équipes. Au passage, j'espère que vous appréciez ce stade. Plus un siège de vide. Ok, c'est parti. La France qui peut avancer. Allez. Griezmann pour trouver la faille dans la défense. Le bon ballon. L'accélération. Il peut y aller. Il peut récupérer. Deuxième chance. Et but. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination. C'est ça, les grands joueurs. Quelle erreur! Et derrière, c'est la punition immédiate! Mais quelle faute de main du gardien! Face à ce genre d'attaquant, ça ne pardonne pas! Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. Ça joue long vers l'avant. C'est bien donné. Ce contre peut très bien aller au bout. C'est joué long, attention. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Mbappé ! Oh, le but ! Ils sont vraiment entrés dans ce match de la meilleure des manières possibles. La frappe lointaine et quelle précision! Bon, avant, je chambrais un peu les gardiens sur ces tirs de loin. Mais maintenant, je suis un peu moins dur. C'est très difficile de lire la trajectoire de ces ballons flottants. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Il allonge vers l'avant. Il joue dans l'espace. Non, ça manque d'application. Un long ballon vers l'avant. Il va provoquer. Et le raid côté droit, il a du soutien. Oh, Griezmann. C'est bien fait, ça. Il tente de la jouer dans l'espace. Griezmann, il a de l'espace. Centre. Oh, le bon timing de la tête. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ce sera le premier corner du match. De la tête. Et c'est le but. Ils enfoncent le clou en marquant rapidement à l'autre but. Très bon corner, et évidemment il en a profité. C'est bien joué ça, super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long, attention, la passe est précise. Le bon dribble, un centre tente, faut tirer là. Aucun problème pour le gardien. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ce sera une remise en jeu. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, c'était dangereux, quel geste! Dembélé. La passe dans la profondeur. Attention, dans l'axe. Voilà une passe décisive qui ne trouve personne. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. Ça manque de précision, dommage.
C'était une bonne intervention. Quelle passe! Il choisit la profondeur. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Long ballon dans le sens du jeu. Mbappé. Il joue dans l'espace. Oh, le bon ballon. Fekir. Il va au duel. C'est dégagé, loin. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Il est à distance de tir. Obligé de reculer. Oh, le duel. Vous avez remarqué comme les latéraux montent, quoi ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise, non ? À mon avis, c'est pour forcer les ailiers adverses à redescendre. Plus ils sont loin de votre cage, moins ils peuvent causer de dégâts. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il décide d'allonger le jeu. L'arbitre siffle une faute. Mbappé. Long ballon. Fekir. Qui a un peu d'espace. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Griezmann. La relance, côté droit. Pour trouver la faille dans la défense. Qui est bien placé. Et ce ballon vers la surface. Quelle détente! Il peut encore frapper! Et l'arbitre siffle la mi-temps sur cette grosse occasion. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. C'est un avantage certain, 3-0. Et c'est reparti. Pas de changement à la pause, on est reparti avec les mêmes acteurs. Avec Fekir. Il joue dans l'espace. Le long dégagement du gardien. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. Dembélé. Il glisse le ballon en profondeur. Griezmann. Mais pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Ce sera une touche. Pogba. La passe en retrait vers son défenseur. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Fekir. Oh, Griezmann. Il a fait l'appel et la course qu'il fallait, mais ça s'arrête là. La passe dans la profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. C'est joué long, attention. Ça joue. Allez, jusqu'au bout. Il peut encore frapper jusqu'au bout. Oh, c'est dedans. Oh, le résultat était déjà assuré, mais il continue. Il continue. Griezmann. Qui a parfaitement surgi. Oh, l'opportunisme. Ok, l'attaquant est très opportuniste, oui. Mais quelle mésentente de la défense. C'est le bazar. Désormais, ils ont l'air intouchables. C'est joué long. C'est bien défendu. Il glisse le ballon en profondeur. Il était bien hors jeu.
Oui, il y a hors-jeu. Quel dommage, quel dommage. Il y avait un superbe coup à jouer là. Le gardien loin devant. Il joue dans l'espace. Ça peut partir en contre. Il met la tête sur le poteau et il trempe le gardien. Oh là, c'est une véritable correction. Allez, je propose qu'on arrête le match là. C'est un massacre. Et le doublé. Ce match est en train de devenir une véritable correction. Il tente de la jouer dans l'espace. Bien tenté. Il enroule ce ballon dans la tête. Et il voit sa tête s'envoler. Oh que c'est dur, c'était une occasion en or. On attendait un arrêt de jeu. Le changement va pouvoir avoir lieu. En retrait pour repartir proprement. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Touche. Et la remise en jeu est interceptée. Bien servi. Umtiti qui récupère ce ballon. Fekir qui est récompensé de son pressing. Oh le duel. Fekir, il y va. Oh le but, tout en puissance. Alors ça, c'était vraiment la grande classe. Yes, 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 yes. Et allez, encore un but. Bon honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Allez tout seul! Il a essayé d'y aller seul mais sans réussite. Et ce ballon sur l'aile. Il reçoit le ballon. Ça sent la frappe. Dans la surface. Il prend sa chance. Quel but! Oh là 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 là! Mais quelle démonstration! Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Deux buts déjà dans ce match. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Il glisse le ballon en profondeur. Il est passé. Il a tenté, bien joué. Le bon dégagement. Il y a peut-être un coup à jouer. Il frappe au but. Oh, quelle parade! C'était une grosse occasion quand même. Je me demande encore comment le gardien l'a arrêté. Le jeu repart vers la droite. Pour trouver la faille dans la défense. Dans l'espace, bien vu. Pogba.
La France qui cherche l'étincelle. L'arbitre a sifflé, faute. Pogba. Faute, c'est indiscutable. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. C'est un peu loin, peut-être, pour la tenter directement. Oh, le but ! Le geste parfait ! Oh, un but vraiment incroyable ! C'est tout simplement incroyable, magic. Et encore un but, ça tourne à la démonstration. Et cette trajectoire qu'il a trouvée, la classe. Waouh, c'est une frappe fantastique. Qu'est-ce que c'est fabuleux de marquer de cette distance. Ça y est, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est fini pour cette rencontre. Ouais, les défenseurs ont souffert, énormément souffert aujourd'hui. C'est vrai qu'en face, ils ont trouvé une équipe qui avait envie d'attaquer, qui avait envie de faire mal. Elle y est largement parvenue. Que retenez-vous de cette rencontre? Ils ont parfait dans le détail en marquant sur la toute première occasion. Après ça, ils étaient lancés et c'est logique qu'ils gagnent aujourd'hui. Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Grégoire, c'est moi qui vous remercie.